Être complètement fou pour tourner le dos à un bijoutier qui vient de perdre ses bijoux. Si j'étais vous, je prendrais mes jambes à mon cou. Et connaissant le vice des vices, pour se retrouver à terre, il en faut pas beaucoup. Pour 2 mg d'or, on vous scelle un sort. On ne badine pas avec les signes extérieurs de richesse. On vous prend la vie, on vous rend la mort. Et toute la profession fut prise au dépourvu. Elle tomba des nues lorsqu'elle apprit que le franc-tireur n'était pas français de souche, mais un assimilé qui a tout assimilé. À nos bras de fer musclés, aux droits d'un homme qui veut rendre une justice qu'on ne lui a jamais rendue. Eh bien, revoilà la France divisée en deux. Une moitié pour le bijoutier et l'autre moitié pour le jeune délinquant français par-dessus le marché. Donc, on se repose la question qui tue. Faut-il se rendre justice soi-même ou laisser l'assurance payer? Notre bijoutier, qui n'avait plus tous ses esprits, après avoir été quand même menacé, tenu en joue, vu la mort rôder de si près, a choisi de suspendre le vol de son voleur et se dresser contre l'impunité ambiante, en redresseur des torts, rendre coup pour coup, en vengeant les victimes et en punissant les coupables. C'est l'extrême sanction. Celle du justicier qui fait ce que la justice ne fait pas. Mais il faut dire que c'est difficile pour notre logique morale ou éthique de se prononcer sur une victime qui elle-même fait des victimes. Moi, sur la question, mon opinion est toute faite. Je constate d'abord qu'il s'agit quand même d'une double défaite du sens moral de la justice et de la justice comme instance de plus en plus bancale. Donc, je vous disais mon opinion, et pour tout vous dire, je suis certainement la seule à la partager. Je dis que bijoutier a bien fait. Si et seulement si je le vois ravi de subir à son tour la peine prévue par la loi, pas moins de 20 ans ferme, soit à peu près l'âge de sa victime. Donc oui, je partage son geste, si et seulement si il reconnaît son forfait et fait amende honorable en cherchant à en payer le prix. Là, je dis oui. Parce que si le jeune ne savait pas ce qu'il faisait, le vieux, lui, faisait ce qu'il savait. Transformer le plomb en mort.